En manchette aujourd'hui, vitesse rue Frontenac, dépôt d'une pétition à l'hôtel de ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 22 novembre. Une pétition a été déposée à l'hôtel de ville de Berthierville la semaine dernière. C'était à l'occasion de la séance régulière de novembre. On rappelle, c'était la première séance du Conseil des élus là, que, suite à, au scrutin de novembre. En effet, 116 citoyens demandent donc dans cette pétition aux élus municipaux de se pencher sur la problématique de la vitesse, entre autres, là, rue Frontenac. Les signataires de la pétition demandent au Conseil municipal de trouver des solutions pour que la vitesse des voitures circulant rue Frontenac soit réduite, aussi pour que des mesures d'apaisement de la circulation soient mises en place. Dans le libellé, dans la lettre qui a été remise avec la pétition aux élus, on mentionne de mettre en place un service de sécurité qui aura l'autorité d'émettre des contraventions dans le but de faire respecter les règlements municipaux et le code de la route. On parle aussi, dans la foulée de l'exercice actuel de mise en valeur du centre-ville et de la place du marché, de réfléchir sur la définition de la vocation de la rue Frontenac comme rue patrimoniale, panoramique, conviviale et sécuritaire, avec pour objectif de renforcer à la fois la protection du patrimoine bâti, du paysage ainsi que de l'espace culturel. Le maire de Berthierville, Dominique Perrault, a mentionné que les élus se pencheront sur ce dossier et qu'ils feront notamment part de la demande des citoyens pour une meilleure présence policière sur cette artère historique aux autorités de la Sûreté du Québec. Les conseillers municipaux ont été réélus. Les conseillers municipaux qui ont été réélus lors du récent scrutin ont toutefois rappelé aux citoyens présents dans la salle du conseil que cette demande a déjà été formulée par le passé à la Sûreté du Québec, et ce, à plus d'une reprise. Chose certaine, les demandes citoyennes inscrites dans le libellé de la pétition seront analysées et discutées par le Conseil municipal, a-t-on fait savoir. À l'occasion de cette première séance du nouveau Conseil, les élus de Berthierville se sont aussi départagés différentes fonctions. Ainsi, les conseillers municipaux Amélie Lebrun et Jean-François Frenière représenteront Berthierville au sein de la CIRBI, la Société de conservation et de récréation de Berthier et ses îles. La conseillère Isabelle Fontaine et le conseiller Jean-François Frenière s'ajoutent au conseiller Sylvain Destrampes et siégeront sur le comité d'urbanisme de la municipalité. Le mandat de deux citoyens a aussi été renouvelé sur ce comité pour 2 ans. Il s'agit de Normand Boisvert et de Normand Lebrun. Le comité sécurité incendie de la MRC d'Autry aura pour représentant de Berthierville le maire Dominique Perrault et le conseiller Jean-François Frenière. La conseillère Amélie Lebrun et la responsable de la bibliothèque municipale participeront, quant à elles, aux réunions du Centre régional des bibliothèques publiques pour la Mauricie et la Nausière. Finalement, la représentante de Berthierville au ROC, soit le regroupement des organismes communautaires, sera pour l'année qui s'amorce, 2022, la conseillère Isabelle Fontaine. On poursuit maintenant avec une conférence de presse qui a lieu aujourd'hui. On a parlé de culture à l'école. Ça s'est déroulé c'est une conférence de presse du gouvernement du Québec. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 50 millions de dollars, donc sur 5 ans, soit 10 millions par année, afin d'accroître l'accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises et d'assurer une meilleure intégration de la culture dans la pédagogie. Cet important investissement vise à soutenir les milieux scolaires et ainsi à multiplier les occasions pour nos jeunes de vivre des expériences et des apprentissages culturels. Les deux ministres ont également profité de l'occasion pour indiquer que les honoraires versés aux artistes pour les ateliers culturels offerts en milieu scolaire dans le cadre du programme La culture à l'école
seront revus à la hausse dès le début de la prochaine année scolaire. Cette somme de 50 millions de dollars a été annoncée lors du dernier budget en mars, c'était en mars dernier, pardon, dans le cadre d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation du Québec et le ministère de la Culture du Québec qui vise à ce que l'école joue un rôle essentiel dans le développement du rapport que les élèves entretiennent avec la culture. On parle aussi d'un nouveau partenariat intervenu avec Télé-Québec pour mener à bien les projets, ça s'appelle les Créateurs, un grand mouvement visant à stimuler l'intérêt des jeunes envers la culture québécoise et surtout à les inciter à y participer. Le programme La culture à l'école vise à former des citoyens actifs sur le plan culturel en multipliant donc les expériences offertes aux élèves. Ces expériences sont rendues possibles grâce à la collaboration d'artistes, d'écrivains et d'organismes culturels. Les artistes pourront bénéficier de nouvelles grilles tarifaires, donc on l'a dit, au début de l'année scolaire 2022-2023. Des précisions sont à prévoir ultérieurement. Le ministre Roberge, pour sa part, mentionne « Je me réjouis que nous posions aujourd'hui ce geste concret pour soutenir davantage la culture dans nos milieux d'apprentissage. L'apport culturel est essentiel pour nos élèves. Il peut servir de catalyseur et représenter une source inestimable de motivation dans leur réussite scolaire ainsi que générer un sentiment d'appartenance. En investissant de la sorte, notre gouvernement offre un appui sans équivoque à une meilleure intégration de la culture dans la pédagogie et un meilleur accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises. Se mobiliser pour notre culture, l'enrichir, la faire rayonner, la faire connaître, voilà ce que le programme de la culture à l'école vise à faire. De jeunes citoyens actifs sur le plan culturel, c'est profitable pour toute la société, a-t-il mentionné. De son côté, la ministre Roy, ministre de la Culture, ajoute « L'investissement annoncé aujourd'hui et les mesures que notre gouvernement met en place pour assurer une meilleure intégration des arts et de la culture dans nos écoles constitue une grande nouvelle pour le milieu scolaire et le milieu culturel. La culture est une priorité pour le gouvernement et favoriser son accès est essentiel pour moi. J'en profite pour saluer le travail de nos artisans du milieu culturel grâce à qui les jeunes du Québec ont la chance de vivre des expériences riches et stimulantes. Et quel plaisir d'annoncer aux artistes, avec mon collègue Roberge, que nous travaillerons cette année à revoir leurs honoraires dans le cadre du programme de la culture à l'école. Toutes ces mesures que nous mettons en œuvre assurent un accès plus direct à l'art et offrent une vitrine plus large aux artistes. » Parlant de ministre, on passe maintenant à Mme Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, députée de Berthier, et qui a fait une importante annonce qui touche l'amélioration du réseau, du réseau local, on parle de route maintenant, dans le comté de Berthier. Caroline Proulx annonce en effet aujourd'hui que le gouvernement du Québec accorde une aide de 3 682 635 $ à quatre, c'est réparti là, dans quatre municipalités de la circonscription de Berthier, afin de soutenir l'amélioration du réseau routier local. Voici comment sont réparties les sommes octroyées dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale. Tout d'abord, pour le Rang Saint-Pierre, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola touchera 1 139 621 $. La ville de Levaltrie touchera 615 375 $. La municipalité de Mandeville se verra remettre 664 806 $. Finalement, la paroisse de Saint-Didas ira chercher au gouvernement du Québec 1 262 833 $. Soucieux de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions, le gouvernement du Québec propose donc une gamme complète d'outils, dont le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, qui permet aux administrations municipales de revitaliser leurs infrastructures locales. On cite maintenant la ministre Mme Proulx, députée de Berthier. Cet important investissement confirme l'intention de notre gouvernement de bonifier le réseau routier local
L'effet sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Berthier sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l'élaboration de ces travaux d'envergure pour notre belle région. Le ministre des Transports, François Bonnardel, ajoute « Plus que jamais, nous sommes à l'écoute des besoins des régions et des municipalités pour l'optimisation de leur infrastructure routière, essentielle au déplacement entre les communautés et à la relance de l'économie régionale. Je salue l'excellente collaboration des autorités locales qui partagent notre volonté de garantir à toutes et à tous un réseau routier sécuritaire et efficace. » Sur ce, allons à la pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 22 novembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jeanne d'Arc Harper. L'organisme, la FADOC de l'Île-du-Pas, souhaite aussi un heureux anniversaire à Esther Mamano. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Fleurette Marcille. Et le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite un heureux anniversaire à Serge Bélan. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 22 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant à différentes petites nouvelles touchant Saint-Ignace de Loyola. Les élus de Saint-Ignace de Loyola adopteront donc le budget 2022 de la municipalité le jeudi 21 décembre prochain. Ça se déroulera lors d'une assemblée spéciale qui, elle, prendra place au bureau municipal à compter de 20 heures. Toujours à Saint-Ignace, il y aura rencontre ayant pour thème le projet de salle communautaire. Ça se déroulera en début d'année, soit le 23 janvier prochain, 14h, prenez ça en note, la rencontre qui prendra place à l'église de la municipalité. Les gens présents auront alors l'opportunité de voir les plans du centre projeté. Il sera aussi question des coûts liés au projet. Mentionnons également, toujours en lien avec la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, que l'horaire de la patinoire extérieure sera disponible en quelque part en décembre sur le site Internet. Évidemment, il faut qu'il fasse un peu plus froid et qu'il y ait un petit peu de neige pour finaliser la patinoire. Donc, ça sera sur le site Internet de la municipalité sous l'onglet « Culture et sport, activités sportives ». La municipalité prépare aussi un site de glissade pour la saison hivernale. Cette descente sera aménagée sur la butte située près des terrains de volleyball et au terrain des loisirs. Les amateurs de hockey bottine à Saint-Ignace sont aussi invités à s'inscrire puisqu'on prévoit des joutes dès que la glace sera prise à la patinoire municipale. Les hommes auront accès au site les mardis et mercredis en soirée. On s'informe auprès de Daniel Gladu, 450-898.
0596-60596. Les femmes, elles, pourront pratiquer ce sport les lundis en soirée. On s'informe auprès de Vanessa Sylvestre au 450-803-95-78. Une dernière petite information concernant Saint-Ignace de Loyola. Les modifications apportées donc à l'organisation des paniers de Noël l'an dernier pour protéger la santé des familles et des bénévoles demeurent en place cette année. Les paniers de Noël proviendront donc entièrement de l'épicerie sans sollicitation de porte-à-porte. La collecte de denrées non périssables ne fait plus partie du projet. Seuls les dons en argent seront acceptés. Une boîte cadenassée sera installée au bureau municipal à compter du 1er novembre. Pour ceux qui aimeraient donner sans se déplacer, c'est possible. Téléphonez au 450-750-2733. Un bénévole se rendra à votre domicile, donc en respectant les règles sanitaires en vigueur. Les inscriptions pour recevoir un panier de Noël ont débuté le 1er novembre et se déroulent jusqu'au 5 décembre prochain. Après cette date, votre demande pourrait être refusée, évidemment, si on manque de denrées. La distribution aura lieu le vendredi 17 décembre en soirée. Vous avez des questions concernant les paniers de Noël à Saint-Ignace de Loyola? Contactez Nancy Danfous, la responsable, 450-750-2733, 450-750-2733. On y va maintenant avec une activité des fêtes de Noël organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, Fêtons Noël, qui est présenté par le IGA Extra Famille Mondor. Ça se déroulera le 1er décembre à compter de 17 heures au Frontenac, 510 rue Frontenac à Berthierville. On invite membres et non-membres. Les billets sont en vente. 55 $ pour un membre, 60 $ pour un non-membre de la Chambre. Il y aura bouchée, cocktail, deux consommations gratuites, des cartes cadeaux de 25 $ offertes par le IGA Mondor, des prix de présence, de l'animation. Bref, une fête pour bien terminer l'année pour les gens d'affaires du coin. Les nombres de places sont limités, il faut réserver dès maintenant au 450-836-4689 ou à info@commercialcciba.org. On y va maintenant avec les émissions qui seront sur nos ondes cette semaine. Tout d'abord, il y aura « S'amuser au musée » présenté par le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, qui met en vedette Paul Boudreau dans une conférence concernant le musée d'art de Joliette. Il y aura aussi sur nos ondes une émission sur l'inauguration de la forêt nourricière. Il y aura aussi le conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, l'édition qui vient juste d'avoir lieu. Et il y aura la diffusion de la première partie du conseil municipal de la Noraie, puisque ce conseil a été coupé, si on peut dire, a été divisé en deux parties, une partie qui se déroule aujourd'hui même, ce soir, à la Noraie. Donc, cette deuxième partie suivra sur nos ondes la semaine prochaine. Pour le moment, c'est la première partie. Aussi à noter que sur nos ondes, il n'y a pas le conseil municipal de Berthierville n'est pas là parce qu'on est en train de revisiter, voir si on poursuit la même façon qu'on faisait avant avec la mairesse Nantel. Est-ce que le maire Perrault prendra la parole pour résumer le conseil ou en tout cas on trouvera la façon? Est-ce que ce sera des questions-réponses ou peu importe? Donc, on est en train d'analyser à l'Hôtel de Ville la façon de communiquer avec les citoyens, les Berthelaises. Donc, c'est à suivre, on travaille le dossier. Voilà pour le moment, allons à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre.
C'est grâce au donateur, si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. CHSLD Alphonse Rondeau de la Noraie, le 6 novembre dernier, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé à venir, Catherine, Alex Dandurand, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Alain Doucet, Charlotte Desroches, Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Eddie Guévremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 novembre dès 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront le même jour à l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier. À 11h30, M. Pierre Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. À la maison Albatros de Trois-Rivières, le 10 novembre dernier, à l'âge de 44 ans, est décédée Mme Christine Plante, épouse de Philippe Gervais, demeurant Trois-Rivières et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Élodie Gervais, Éloi Herpicom, Rosalie Gervais, son père Daniel Plante, Marielle Lefrançois, sa mère Louise Bellumeur, sa belle-mère Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs, Julie Tessier, feu Dominique Plante, Christian Plante, David Gervais, Annika Forêt, Marie-Claude Gervais, Stéphane Clairfond, sa grand-mère paternelle Jacqueline Vadnet, feu Athanase Plante, sa grand-mère maternelle Marie-Claire Bourgie, feu Gérard Bellumeur, ses filleules, Émy Tessier Plante et Coralie Ferland, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la maison Albatros de Trois-Rivières qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera le dimanche 28 novembre de 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Christine Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À l'hôpital de Lanaudière, le 15 novembre, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Paul Étu, époux de Nicole Cloutier, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Étu, Mélissa Camiran, Joanne Étu, Francis Archambault, ses petits-enfants, Camille et Vincent Étu, son frère Pierre Étu, Manon Barré, sa belle-sœur Ginette Cyr, feu Jean Étu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Étu a pris la décision de reporter la cérémonie à une date ultérieure. Au CHSLD Saint-Charles-Borromée, oui, c'est ça. Le 15 novembre, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Yvon Saint-Jean, demeurant à Joliette. Lui a précédé ses fils François et Bernard. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, France, Joanne, Yvon, Thérèse, Roger, Éric et leurs conjoints-conjointes, ses beaux-enfants, Luc et Lynn Barry, leurs conjoints-conjointes, ses petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Saint-Jean ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. En toute dignité aux soins palliatifs du CHRDL de Joliette, le 17 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Bertrand Caron, époux de Lise Fafard de Saint-Cuthbert, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Annick, Sylvain Caillé, Éric, Marie-France Beaufort, ses petits-enfants adorés, Marc-Antoine, Jérémy et Rosalie, ainsi que plusieurs autres parents et amis.
une douce force discrète, mais solide, remplie de bonté et d'amour pour sa famille, émanait de Bertrand. Il avait une résilience sans pareille, il fut un soutien pour les siens. Veille sur ceux que tu as tant aimés lors de ton bon passage ici-bas. La famille vous accueillera le dimanche 5 décembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Bertrand Caron seront inhumées au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo pour aujourd'hui et les prochaines heures. Donc, en soirée, ciel généralement dégagé, moins 1, mais ressenti moins 5. Cette nuit, lundi, moins 6, ciel dégagé, assez frisquet, parce que là, on ressentira, si vous êtes à l'extérieur, ou si vous avez affaire à sortir, moins 11 degrés. Mardi matin, le soleil est au rendez-vous, ensoleillé avec quelques nuages. Moins 4 tôt le matin, avec ressenti de moins 9. En après-midi, le soleil fait son travail, moins 1, mais ressenti moins 5. Donc, aucun problème de précipitation là, pour les prochaines heures. Mardi soir, ciel généralement dégagé, on ressentira moins 8, il fera, à vrai dire, moins 4, mais avec le facteur vent, entre autres, on parle de moins 8. Et dans la nuit de demain, mardi, on parle de moins 7, ressenti moins 11. Donc, c'est quand même assez frisquet. Bien, on s'en va lentement, mais sûrement, vers des températures, évidemment, plus froides. On termine le bulletin d'information avec le dernier bilan COVID. C'était le 19 novembre dernier. Dans l'Anaudière, on parlait de 19 cas dans la MRC de Dautré. 20 dans celui de la Matawini, 30 MRC de Montcalm, 79 cas MRC de Joliette, 82 MRC de l'Assomption et 170 cas dans la MRC Les Moulins. On parlait de 10 hospitalisations, 3 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès n'avait pas bougé là, depuis quelques jours, 532 décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas rétablis s'établissait à 27 155 cas. Donc, c'était le bilan le plus récent diffusé par le CI3S de l'Anaudière concernant la COVID. Si on additionne les cas actifs dans l'Anaudière en date du 19 novembre, on parlait de 400 cas. Donc, voilà, c'était votre bulletin d'information. En ce 22 novembre, Alain Bellumeur qui vous souhaite bonne fin de journée sur nos ondes et qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.